Salut les amis, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. J'espère que vous allez bien, même très bien. Aujourd'hui, il fait super beau, je suis super content et j'ai décidé en fait de parler aussi de quelque chose que j'ai beaucoup fui dans ma vie, c'est la violence. Et ouais, j'ai beaucoup fui la violence parce que j'aimais pas ça. J'ai connu plusieurs fois j'ai été violenté dans mon passé sur plusieurs aspects, ce qui m'empêchait d'être moi. Donc à chaque fois, je fuyais la violence et à chaque fois que j'avais la possibilité, moi, d'être violent, je m'interdisais d'être violent. Ce qui fait que je continuais à subir la violence parce que j'exprimais pas, moi, ma violence. C'est pour ça que c'est important d'être à un juste milieu et pouvoir équilibrer les choses, la perception aussi des choses. Si à chaque fois qu'il y a de la violence, je pars, je me prive d'une partie de ma vie. Maintenant, si je mets la violence... Si je m'autorise à vivre la violence et l'exprimer, eh bien, j'entrerai dans une forme de neutralité face à la violence en face de moi. Je serai plus à l'aise avec la violence, je serai plus à l'aise avec moi. Et donc, naturellement, la violence, s'il y a besoin, je l'utiliserai. Et s'il n'y a pas besoin, en fait, je serai à l'aise et je pourrai aller n'importe où, même s'il y a de la violence et tout ça, et me sentir à l'aise, plutôt que d'avoir à fuir à chaque fois la violence et d'être toujours dans cette notion de fuite. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la violence et voilà, cette violence-là. Parce que la violence peut être aussi bien physique que verbale, que psychologique, que tous ces éléments. En fait, la violence peut passer par tout plein d'aspects qu'on rejette. Et si on ne comprend pas avec la violence physique, ça va passer avec la violence morale. Et si ça passe pas avec la violence morale, ça va passer par avec plein d'autres violences psychologiques et tout. Donc voilà, c'est important d'être au clair avec la violence. Bon les amis, je vous dis à bientôt et puis au plaisir. Allez, ciao!